Alors, on va rouvrir le site Richelieu de la Bibliothèque nationale ce week-end, à l'occasion d'ailleurs du patrimoine, je crois. Et je voudrais rappeler que j'ai été un des acteurs de la fin du site Richelieu avant le passage à Tolbiac, puisque j'avais été chargé d'une exposition Astrologie et prophétie à la réserve de la Bibliothèque nationale en 1994, qui a donné lieu à un catalogue, vous pouvez trouver ici. Et c'est l'équipe de la réserve de la Bibliothèque nationale, notamment avec Antoine Coron, mais aussi Ursula Bormeister, qui m'avait chargé d'occuper de cette exposition, que j'avais d'ailleurs dont Jean Séard avait fait une préface. Jean Séard, avec qui j'étais en soutenant de thèse d'État depuis 1985 sur le prophétisme. Jean Séard, prélude à l'exposition du Mirabilis Liber au Centuri. C'est une période extrêmement faste pour moi au niveau des publications, puisque je publiais également à peu près à la même époque l'article astrologie de l'Ancien Universalis, la réédition chez Segers des clés pour l'astrologie en 1976, et puis le guide de la vie astrologique qui avait connu un certain succès, un nouveau guide de la vie astrologique qui paraissait à ce moment-là. Je crois aussi que reparaissait la collection Solar chez France Loisirs, etc., etc. Donc, j'en oublie peut-être. Et en 1992, j'avais édité un ouvrage de Michel Gauquelin, Les personnalités planétaires, juste qu'il était mort avant la parution de cet ouvrage. En 1992, j'avais également publié chez Très Daniel La vie astrologique il y a 100 ans, également en 1993, deux bouquins, dont celui des reprints, dont celui-là notamment, et puis en 1995, La vie astrologique, années 30-50. Donc j'ai un souvenir ému de ces années 92-95, assez remarquable, qui d'ailleurs correspond à une phase solsticiale de Saturne, avant que Saturne ne passe en phase équinoxiale en 96. Et en 95 d'ailleurs, j'avais réussi un pronostic remarquable concernant les mouvements sociaux en France, qui annonçait pour la fin 95 les fameux incidents qui ont eu lieu pendant le mois de décembre 95. Et c'était paru dans l'astrologie selon Saturne.